19 mars 2020, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission La Trottinette. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimin à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00 229 97 47 30 87 ou le 00 229 66 15 97 13. Le séminaire d'activation de richesses organisé à Cotonou, le spiritualiste visionnaire, le grand maître Dao, sur demande de la population, entame une tournée de tapis sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, rencontre d'échange avec maître Dao, consultation et le rituel de montage sur tapis. Maître Dao, dans tout le Bénin, en quatre dates, à savoir le 8 mars 2020. Dao sera à Parakou, au quartier Banikani, fin pavé. Le 15 mars 2020, Dougou reçoit le spiritualiste visionnaire à la maison des jeunes de Dougou. Le 22 mars, le rendez-vous est pris dans l'enceinte de la radio Nanto à Natitengu. Et enfin, le 29 mars 2020, il reçoit toute la population de Baïkon et ses environs. Population de Parakou, Dougou, Natitengu, Boricon et les environs, une semaine dans chaque localité pour prendre connaissance de vos préoccupations et vous proposer des solutions concrètes à vos problèmes. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 97 111 42 34 ou encore le 97 14 77 53. Avec l'ONG DAO, activez une fois pour de bon votre richesse et vivez la vie vivante. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contact 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Ainsi donc s'ouvre le bulletin d'information. Il est annoncé pour prendre les commandes de la mairie de Cotonou à l'issue des communales et municipales du 17 mai prochain en République du Bénin. Il s'agit bien sûr de l'actuel maire de la commune de Boricon, Luc Setondji, à propos à l'annonce de cette nouvelle. Guérite TV Monde a tendu son micro à quelques citoyens de la ville capitale qui se prononcent. On les écoute. Je suis en train d'apprendre que Luc Setondji à propos, maire de la commune de Boricon, pour la prochaine candidature, il sera à Cotonou. Bon, moi je le souhaite vivement parce que c'est un gars, il travaille beaucoup pour Boïcon. Bon, de son arrivée à Cotonou, j'espère que le Cotonou va changer. Il va beaucoup changer parce que il a la vision de changement. Mais trop tard, moi je veux qu'il soit encore le président de la République. On veut des gens comme ça pour notre pays, pour le développement du Bénin. Luc Atropo, potentiel candidat aux élections prochaines à Cotonou, je ne vois pas trop d'inconvénients à ça. En fait, je ne vois pas le problème. Et il est un citoyen béninois. Et tant qu'il n'est pas en déphasage avec les lois électorales, le plan ne s'oppose pas à mon avis. S'il pense qu'il sera plus utile à Cotonou qu'à Boïcon, alors, je pense que nous ne pouvons qu'accepter cela. Le X se trouve à son Boïcon d'origine, d'autant plus que, avec les prouesses qu'il a eu à faire de l'autre côté, peut-être que la population n'est pas prête de le laisser partir. S'il arrive à rassurer sa base, que ce qui sera plus utile à Cotonou, alors bon vent à lui. Nous allons à présent suivre Shams Dine Badarou dans son récit du jour, un récit qui s'intitule « Face aux limites de l'opposition, il vaut mieux reconduire talons ». Suivons ici le récit de Shams Dine Badarou. Les choses se précisent. Plus rien ne va dans le pays au niveau des opposants qui baignent, selon le quotidien La Guérite, dans le dilatoire.
Le dernier communiqué des FCBE montre que ces anciens gestionnaires du pouvoir sont de vrais zombies. Aujourd'hui, le dernier des Béninois résidant dans la ville capitale pleure. Il pleure parce qu'il n'a jamais imaginé ce qu'il voit depuis quelques jours. Sur le boulevard du Cinquantenaire, c'est la joie totale. Les lampadaires plongent tous ceux qui ont quitté le Bénin une fois dans une ville européenne. Les voies tracées dans nos grandes villes aujourd'hui font du président Patrice Tannon le seul et premier à innover en matière d'assainissement. Ainsi prend fin le bulletin d'information. Nous allons dans un instant, mesdames et messieurs, vous faire suivre le contenu du journal Matin Libre, le seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Ce sera juste après cette virgule. Bonjour. Bénin, mesures anti-coronavirus. Gouvernement peut mieux faire, s'exclame le journal Matin Libre à la une de ce jeudi 19 mars 2020. Un deuxième cas confirmé. Il était annoncé mardi 17 mars. Un conseil extraordinaire des ministres consacré aux mesures à prendre contre la pandémie qui sévit un peu partout dans le monde. Lundi dernier, le Bénin a enregistré son premier cas. Le conseil extraordinaire était de ce fait très attendu. C'est au petit matin de ce mercredi 18 mars 2020 que les décisions prises par le gouvernement de la rupture ont été rendues publiques. Mais, à l'arrivée, les Béninois, dans leur grande majorité, sont restés sur leur faim. Au total, le gouvernement a pris 11 mesures. Mais à l'analyse, elles n'ont, pour la plupart, aucun caractère contraignant. Pire, les Béninois s'attendaient à des décisions radicales. La fermeture systématique des frontières, qu'elles soient aériennes, terrestres et maritimes, et la fermeture des écoles, universités, marchés, lieux de culte et autres. Ce ne sera pas le cas. Les frontières restent ouvertes, à la différence que ceux qui viennent par voie aérienne seront systématiquement et obligatoirement mis en quarantaine. Aux frontières terrestres, les entrées et sorties seront limitées à des nécessités extrêmes. Seules les traversées indispensables seront autorisées. Nous a laissé le Matin Libre en page 6 et 7 de sa livraison de ce jour. Énergie renouvelable. Bénin. ODD 7.2. Les lignes bougent. C'est un autre titre inscrit à la une du journal Matin Libre ce jeudi matin. Garantit l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût adorable. Ainsi libellé, le 7e objectif de développement durable, ODD 7, met l'accent sur l'accès universel à l'énergie, l'augmentation de l'efficacité énergétique et l'utilisation accrue des énergies renouvelables grâce à de nouvelles opportunités économiques et professionnelles pour créer des communautés plus durables et inclusives et une résilience face aux problèmes environnementaux tels que le changement climatique. Face à ce défi mondial, où en est le Bénin quant à la réalisation de la cible 7.2 de l'ODD 7 qui porte essentiellement sur les énergies renouvelables, se demande Matin Libre. L'intégralité de l'enquête menée par le journal Matin Libre est à lire en page 5 de sa parution de ce jour. Autre titre ce matin, ces femmes qui font des métiers d'hommes. Univers des femmes sérigraphes et calligraphes. En page 9, le reportage est à retrouver. Et pour finir, Communal 2020. Le MPL n'ira pas. Mauvaise nouvelle pour le mouvement populaire pour la libération MPL. Le parti est définitivement écarté de la course aux élections communales et municipales de mai prochain. C'est ainsi la conséquence directe de la décision rendue par la Cour suprême hier, mercredi 18 mars 2020, suite au recours du parti contre le rejet de son dossier de candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat, nous apprend Matin Libre. Ainsi prend fin la présentation du contenu du seul journal béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi, pour le compte de ce jeudi 19 mars 2020. Merci de nous avoir suivis. À demain. La dernière ligne droite de cette émission La Trottinette, ce jeudi 19 mars 2020, sera donc consacrée à la présentation de la une du quotidien Maison, le journal La Guérite. Oh.
Le quotidien La Guérite, dont le contenu est disponible sur le site internet www.guerite-tvmonde.bj, titre en manchette ce jeudi 19 mars 2020. Face aux limites de l'opposition, il vaut mieux reconduire et talons pour le bien du pays. Le chef de l'État doit faire un deuxième mandat, nous laisse lire le quotidien La Guérite dans ses colonnes. Ce jeudi, autre titre inscrit à la une du journal La Guérite ce matin, lutte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin. Les visites interdites dans les prisons, l'information, c'est à retrouver sur le site internet www.guerite-tvmonde.bj. Comme annoncé au départ, foot coronavirus, la 10e édition du TIC. 2F reporté foot coronavirus, la 10e édition du TIC 2F reporté. Cette information est également à lire à la une du journal La Guérite aujourd'hui. Et pour finir, sensibilisation au sujet du coronavirus. Guérite TV Monde s'ouvre aux internautes sur le site internet www.guerite-tvmonde.bj. Vous allez donc retrouver l'intégralité de ce communiqué de Guérite TV Monde qui appuie donc le gouvernement de la République par rapport aux mesures prises pour lutter contre cette pandémie coronavirus COVID-19. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cette émission. On vous donne rendez-vous pour la toute prochaine fois pour une autre émission, bien sûr, La Trottinette. Prenez du plaisir en notre compagnie. Au revoir.